Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette. Ça sera des petites boulettes de pommes de terre et de poulet. On viendra les faire cuire au four. Comme d'habitude, je vous mets les ingrédients et les SP pour les WW bleus. Alors, pour commencer, j'ai mis 400 g de pommes de terre qui sont cuites d'ailleurs. Il vous faudra 2 œufs. Un carré frais ail et fines herbes, 150 g de dés de poulet, du sel, du poivre, du cumin, c'est facultatif, c'est comme vous voulez, si vous n'aimez pas, c'est pas obligatoire, et 3 cuillères à soupe de chapelure. Voilà, on commence la recette tout de suite. Je vais commencer par éplucher les pommes de terre. Voilà, les pommes de terre sont épluchées, donc je ne vous ai pas dit, il y a 400 g. Ensuite, dans un saladier, on va venir casser les 2 œufs. Je vais rajouter le carré frais. Je vais rajouter les 3 cuillères de chapelure. Le sel, le poivre et le cumin. Je vais venir ajouter les pommes de terre que je vais écraser en purée. Je vais rajouter les dés de poulet. Voilà, mes petites boulettes, je vais les enfourner 25 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti! Et voilà les boulettes de poulet aux pommes de terre. En cours de cuisson, je les ai retournées dans le four pour que ce soit grillé des deux côtés. On va en ouvrir. Je vais goûter. C'est un régal. Et voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Comme je dis toujours, c'est gratuit, profitez.
Vous pouvez liker et partager la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!